L'équitation, c'est une histoire de couple et les dresseurs ne le savent que trop bien. À Paris, le public s'est enthousiasmé pour Coco et Gus. Et dans l'équipe de Panfou Dressage, aujourd'hui, c'est Camille Jules Déchiré et Emoji qui vont nous intéresser. Ce sont eux qui ont pris le départ aujourd'hui sur cette grande semaine de dressage et qui ont pour objectif les championnats du monde à Hermelo dans un mois. Venez, on va à leur rencontre. Très bien. Ça, c'est très top. Eh ben, bonjour à tous les deux, à tous les trois. Alors, la semaine dernière, on a encouragé Coco et Gus, alias Corentin Potier et notre ami du Feuillard, Gautilas. Mais cette semaine, à Fontainebleau, pour la grande semaine de la SHF, c'est Camille, Camille Jules Déchiré, qui est plutôt sous le feu des projecteurs. Alors, on parle de couple avec Emoji l'un, avec Gautilas pour l'autre, mais vous êtes aussi un couple dans la vraie vie aux écuries de Panfou. Comment ça se passe au quotidien? Une qui a une expérience des championnats d'Europe, l'autre qui est désormais un cavalier olympique. Vous passez de coach à cavalier tous les jours? Toutes les heures. Toutes les heures même. Toutes les heures, dès que... et puis toutes les minutes, dès que... dès que l'un ou l'autre est à cheval, on est autant que faire se peut en train de s'entraîner, de s'aider. Et en compétition, on s'entraîne effectivement à chaque fois. Et ça se passe très bien. Quand on est en bord de piste, il y a les trois, Isabelle, Camille ou moi, du coup, en fonction de qui monte, et Norbert. Et c'est un vrai partage. Oui, il y a une vraie équipe qui est plus loin que la notion de couple cavalier-cheval ou compagnon. Exactement, ça devient, en fait, le moment où on est en compétition, la partie couple passe en second plan. C'est un staff, c'est une compétition, un entraînement, une préparation et c'est ça qui prend le dessus. Alors du coup, en selle, sur Emoji, on se qualifiait pour Hermelo, championnat du monde dans un mois. La grande semaine qui vient de démarrer pour vous, plutôt bien, 85% me semble-t-il, sortie de piste. Il y a un travail, il y a une histoire, Corentin, vous me disiez aussi, avec ce cheval. Comment ça s'est construit pour en arriver là avec lui? Emoji, c'est un cheval qu'on a acheté foal, sur à peu près... 50 secondes de vidéo. Un coup de tête. Voilà, exactement. Un coup de tête ou un coup de cœur? Un coup de cœur, un coup de foudre vraiment pour ce foal. C'est ça fait une douzaine d'années qu'on achète des foals et celui-là c'était le premier où on cassait notre cochon et on s'est dit waouh, il est vraiment vraiment spécial. Et en fait, du premier jour où on l'a vu sur cette vidéo jusqu'à maintenant, il ne fait que nous éblouir. Pour nous, on pense que c'est le meilleur cheval qu'on ait jamais eu sur tous les plans, sur le plan physique, sur le plan des allures, sur le plan du mental. Et voilà, s'il est prêt à nous donner, là, il a fait sa qualif pour Hermelo et il va y aller. C'était super de participer ici parce que du coup, c'est un peu la première fois où il est dans une piste qui ressemble à ce qu'on va avoir à Hermelo. Et voilà, tant qu'il est prêt pour faire ça et qu'il est performant et qu'on a l'impression qu'il le fait avec plaisir, c'est une super belle aventure. Et si la grande semaine peut servir de tremplin, ce sera parfait. Exactement, c'est une très très bonne préparation parce que toutes les conditions, le jury est quand même ressemble à un jury international, la piste est assez spectaculaire quoi, pour des poulains, c'est grand, une atmosphère. Comme ça, exactement. L'écran, la présence effectivement d'une juge étrangère, néerlandaise. Voilà. Mais bon, les bébés, ça commence comme ça et c'est un super apprentissage pour eux. Donc c'est une opportunité incroyable de participer ici à la grande semaine. Et puis évidemment, Hermelo, c'est une aventure excitante. Eh bien, parfait. Merci à vous deux, à vous trois. Corentin, encore bravo pour nous avoir fait rêver sur ces JO. Et puis Camille, on croise les doigts pour vous sur cette grande semaine et puis pour les championnats du monde dans un mois avec Emoji. Merci à vous. Merci. On suit tout ça, bien évidemment, sur SHF Vidéo avec les quotidiennes.